cette opportunité du NBA Tour, de cette NBA Europe Live, c'était une opportunité pour rebâtir une Slam Nation et la faire revivre, tu vois. Moi, dans ma tête, comme une intention permanente, tu vois, c'est que j'ai envie de faire vivre ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire l'esprit des pionniers, la Slam Nation. La Slam Nation, essayer de faire revivre la Slam Nation. La Slam Nation, c'est une bande de potes, une bande de copains qui se sont unis pour divertir et faire lever toutes les foules. Donc j'avais un budget pour faire venir des mecs des États-Unis, des mecs, enfin les meilleurs performeurs européens et réunir les deux blocs là, tu vois. Et on a fait un mix avec une team universelle, tu vois. Here we are, you know, it's time to perform. So I hope everybody is like me, scared. And we will try to start this this trip because it will be a long trip. So we will try to be like slow motion, you know. We'll try to not give all and be like this. You know, NBA, it's all about kids, you know, all about crowd, interactivity. Plein de profils improbables, tu vois. Et tous ces mecs, partis de rien, leur donner une chance de s'unir et de partir à la conquête du monde. You know, it's all about fun, happiness. One, two, three, kiss! Beaucoup de crews sont nés grâce à l'exemple que la Slam Nation elle a donné, tu vois, l'émergence de plein d'équipes, plein de la rue elle s'est organisée et je suis un peu le parrain de tous ces groupuscules qui sont nés et tout, donc cette confiance elle m'a été attribuée par les jeunes mais qui me reconnaissent comme leur père et la NBA tout naturellement elle est venue vers moi pour me dire écoute Kadour, on aimerait tu nous fasses un cocktail de toute cette rue-là, et puis que tu nous fasses un petit spectacle avec. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc nous, on leur a montré vraiment qui on était, quel passé on avait, quelle histoire on avait. Donc on a fait 400 shows dans le monde entier. On a travaillé pour toutes les grosses marques, les gros événements. Donc on a quand même fait du spectacle et de l'interactivité, parce que c'est ça dont il s'agit, faire du lien avec les spectateurs et tout ça, faire un truc vivant. Moi, mon désir, mon intention, c'est que ça soit une team universelle qui réunit plusieurs crews. Donc moi, je veux être celui qui va aider tous les crews à s'organiser, à avoir son propre média, à avoir ses propres shows carrés, tu vois, faire aussi avoir un championnat national de dunk, tu vois, un championnat national de freestyle, pour avoir leur propre événement, pour qu'ensuite on puisse avoir des satellites un peu partout, et après tu vois, les meilleurs, voilà, le meilleur de chaque pays, le meilleur dans chaque discipline confondue, et formera la Slam Nation Elite, on va dire Elite entre guillemets.